Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec. Place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. And fucking right and fucking right on and head over there. The sun of mana, fun, the sun of mana, sun of yeah. Bonjour tout le monde et bienvenue au Charles Dupreau, le show contre les bonnes affaires. Alors bonjour à tous, très 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 content d'être avec vous. Par contre, vous, monsieur le régisseur, je suis moins content d'être avec vous. Oui, parfait. Mais de toute manière, vous êtes rendu dans un caisson hyper bar fermé hermétique. Vous êtes fantastique comme ça, là. Hein? T'entends pas. Hein, c'est pas ça. Attends pas. Et voilà. Parfait. C'est rendu fantastique. Alors voilà, il n'y a pas à dire. La syndicalisation nous a amené à un autre point ici. On a carrément fait en sorte que quelqu'un ne parle plus. On l'a limogé. Hein, tout simplement. Alors la COVID a limogé les syndiqués. Ah, ça surprend-tu quelqu'un? Bon, parfois, OK. Alors, bonjour tout le monde, très content d'être avec vous. On va commencer par les formalités usuelles. Si vous êtes en Europe, vous faites affaire avec Frank Allegra. Je sais que Frank, de ce temps-ci, il doit être comme moi, il est fermé, il est écœuré, il est cédant, il est plus capable. Écoutez, vous avez un petit supplément, il est quand même capable de vous vendre des suppléments. Donc, allez encourager quelqu'un de local, c'est important. Alors ça, directement, un place, bon tout, 05000, Galp, c'est dans le département des Hautes-Alpes, dans le département 05, très important. Vous êtes écœuré de pas être capable de vous habiller, vous avez toujours l'air d'une espèce de poche de patate, finalement, sur le flat. Bon, ben écoutez, les vêtements Varlin, ça pourrait vous donner un très bon coup de main, ça pourrait être très pratique. Puis ensuite de ça, ben je vous pourrais une chose. Si vous êtes sur la rive sud de Québec, il faut aller voir mon chum David Tremblay. David, lui, qui est tout simplement propriétaire de Feed Nutrition. Alors, ben, je vais prendre l'expression comme ça ici. Alors, David, qui a carrément changé de planète. Hein, il n'y a pas à dire, hein, il a pris tout ce qui était vert, il a mis ça dans le bac vert, puis il a dit, je vois le vert, ça va faire. Voilà, parfait. Donc, il a réglé le problème. Parfait, joyeux pour toi, très content. J'aurais bien aimé voir plus de mails cette semaine. J'avais pas nécessairement de questions clients comme telles. Je pense que j'ai répondu pas mal à tout le monde. J'aurais aimé ça peut-être avoir un peu plus d'interactivité avec vous. Je vais continuer à le demander. Bien important, OK? Ensuite de ça, comme je vous avais déjà dit, ça, c'est quelque chose qui est intéressant et important pour nous. OK? Quand vous regardez la capsule, si vous l'appréciez, pouce levé, partagez. Partagez, c'est super important. Je pense que c'est une des manières les plus simples encore de faire connaître le show. Premièrement, deuxièmement, si vous pensez que ce show-là vaut quelque chose, un petit don de 1 à 5 $ un petit don de 1 à 5 $ ce n'est pas obligatoire. OK, je vous le propose, je vous le demande. Après 12 ans d'enseignement pédagogique, je peux aujourd'hui peut-être vous demander une légère contribution au lieu d'aller sur des sites dans lesquels je vous oblige à payer. Je vous dis, écoutez, c'est parfaitement volontaire. Alors, c'est mandatoire. Si vous aimez le show, vous trouvez ça intéressant, vous trouvez ça divertissant, de 1 à 5 $ vous n'êtes pas obligé, vous donnez un petit quelque chose. Vous donnez rien, je vous aime pareil, ça va me faire plaisir, m'en faire ma job de toute façon. OK? Donc, très important de savoir qu'on est live ici en ce moment au 3055 Boulevard Amel, local 414. Le gym Olympe, le seul vrai gym privé de la ville. Où est-ce qu'on peut s'entraîner, où est-ce qu'on doit s'entraîner, où est-ce qu'on est suivi pour s'entraîner et où est-ce qu'on est des professionnels qui vous donnent un coup de main pour vous entraîner. Ça commence à faire quelque chose de vraiment sérieux. OK? Donc, très important de savoir que pour nous rejoindre, vous faites le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région média de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que les politiques retournées contre nous en ce moment devraient vous pousser vers le vouloir. Le pouvoir et la rage de réussir. Oh boy, effectivement, oui. Donc, un petit mot de motivation avant de partir cette semaine. Troisième volet des activités, puis des exercices prescrits par Coach Grondin. Je parle de Coach Grondin comme si c'était quelqu'un d'autre. Hey, moi, OK, parfait. Donc, moi, je vous dirais, j'ai beaucoup de gens de ce temps-ci qui ont de la misère avec la motivation. Je vais être franc avec vous, là. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'à la maison, pas facile, s'entraîner. Je vous comprends. Parce qu'on est des êtres de socialisation et on est des gens pour qui c'est important de partager. Hein, les êtres humains sont faits comme ça. Hein, dialoguer, se rencontrer, hein, toutes les choses finalement que le gouvernement essaye de vous vendre. Peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète Terre en ce moment, vos gouvernements volent votre identité, vous empêchent de vous rapprocher des autres. Il y a une raison à ça. Sachez-le, OK, c'est social. C'est parce que s'il fallait que tout le monde se mette à se parler, il y a 80% des gens qui se rendraient compte finalement que c'est de la propagande, parce qu'il y a 20% de monde à qui on chie dans la tête, qu'on fait passer pour le 80% des gens qui sont d'accord, c'est ça, de la propagande. Donc, c'est pas facile dans tout ce maelstrom de cochonnerie-là, d'être capable
capable d'aller sortir un élément positif, puis de vraiment se motiver, comme on dirait en bon québécois, se motivationner, ah yes, pour être capable justement d'arriver à développer son physique, s'améliorer, se garder en santé. De ce temps-ci, là, se garder en santé, OK? La motivation à rester vivant et en santé. Qu'est-ce que je veux vous dire quand je vous dis ça? La motivation à rester en santé et vivant. L'entraînement est votre médicament, comme vos aliments. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Hippocrate. Hippocrate a dit que l'aliment soit ton médicament. On remonte au temps des Grecs, c'est pas d'hier, on s'entend-tu, OK? Donc, moi, je suis dans mon club, moi, j'ai le droit de m'entraîner parce que c'est à moi, ça m'appartient. Donc, moi, quand je m'entraîne au gym, je trouve ça souvent relativement assez harassant. Je suis seul dans le gym, il n'y a pas un chat, je trouve ça plate pour mourir. Mes clients sont pas là, il n'y a pas d'ambiance, etc. C'est très, très, très attristant et très lourd à vivre. Par contre, d'un autre côté, je me dis toujours que c'est bon pour moi, c'est bon dans ma tête, puis j'en ai besoin parce que c'est ce qui m'amène à avoir une ouverture d'esprit, un équilibre mental, puis d'être capable de mieux dormir, mieux manger, mieux me sentir. Donc, déjà en partant, le bénéfice de ce que ça vous apporte, faites-le pour être capable de vous dire que ça vous apporte quelque chose de physiologique et de psychologique, avant même le résultat final, OK? Bien important. Faites-le parce que vous ne voulez pas atterrir à l'hôpital. Faites-le parce que vous ne voulez pas aller vous faire traiter par des médecins qui savent à peu près pas ce que vous avez, parce qu'ils sont dans un système dans lequel on vous vend des penules, hein, puis des problèmes qui n'existent pas, parce qu'on ne sait pas ce que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, la seule affaire qui existe, là, c'est la COVID. Tu peux être un sidéen, tu peux avoir un cancer du pancréas, tu peux être un schizophrène. Non, sans COVID. Comprenez-vous? Donc, vous ne voulez pas vous ramasser avec cette gang de pourriture-là et de pas bon. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller encore aujourd'hui, faites de l'activité physique. OK? Puis là, ici au Québec, on a une grosse wave de ça. Là, on parle beaucoup de ça, de l'activité chez les jeunes, chez les enfants. Moi, je vais vous parler de l'activité chez les adultes, les jeunes adultes et les gens âgés. Hein? Faut pas les oublier, ces gens-là. C'est eux autres qui payent des taxes pour les jeunes en bas qu'on finance. À moins, il ne faut pas être trop dupe non plus, il ne faut pas être crétin, là. OK, donc je vous dirais ça là-dessus, c'est bien important. L'équilibre psychologique que vous allez chercher comme parent, comme ami, comme consultant, comme travailleur, c'est très important. Donc, vous entraînez, vous tenir en santé, OK? C'est un calmant, hein? Tu sais, souvent, quand on sort de la salle, on rentre ici, un peu ses dents, on est écœuré, hein, de voir des... Bon, je vais le dire, là, des calices de ce tabarnak de cave avec le masque d'en face, seul dans le char, là. Hein? On va se le dire, hein? C'est ces astis-là qu'on est plus capables. Même le gouvernement nous prend assez pour des imbéciles. Christian Dubé, qui est rendu, qui dit au monde, je vais me mettre deux masques tant que je suis pas vacciné. Non seulement tu seras jamais vacciné, mais tu vas rester un enculé, toi. C'est ça que tu vas rester, mon sale, avec tes deux masques d'en face. Fais là, pourquoi pas trois? Pourquoi pas six? Pourquoi pas 20 masques? Pourquoi pas une soute de plongée? C'est tant qu'à rire du monde. C'est tant qu'à l'inventer et à prendre le monde pour des imbéciles. OK? Alors, quand vous voyez ça, s'il vous plaît, restez calme et résilient. Hein, vous arrivez souvent, mettons exemple chez vous, vous regardez les haltères, ouais, ça va vous faire du bien. Hein, quand vous avez fini de vous entraîner, ça fait du bien, hein, ça détend, c'est super important, OK? C'est un renforcement physique, un renforcement psychologique. OK, c'est comment devenir un combattant. Ne pas rester un survivant. C'est là aussi qu'on va faire une scission, là, hein, dans les gens qu'on connaît, dans notre peuple, dans notre nation. C'est là qu'on va savoir qui sont les guerriers et qui sont les conquis. On va le savoir tout de suite. Puis c'est pas vrai que c'est 50-50. C'est pas vrai. Non, non. Les gens qui veulent réussir et rester debout vont le faire et les autres vont finir par suivre parce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que s'ils ne le font pas, ils vont mourir. Alors, ils n'auront pas le choix. Okay? Santé mentale. Ben oui, j'ai-tu l'air assez mental, moi, là? J'ai-tu l'air assez mental? Bon, OK, c'est parfait. J'ai pas l'air autant mental que les 125 débiles à l'Assemblée nationale qui ont choisi de ne pas dire un Christine mot parce qu'ils ont formé le Parti national du Québec. Hein? C'est ce qu'ils ont fait carrément. Moi, je vais vous parler tout simplement d'avoir la capacité d'une clairance à l'intérieur de votre tête et d'un équilibre psychologique. Hein? Fait qu'au lieu de péter les plombs après le jeune parce qu'il a laissé traîner son jouet ou parce qu'il y a une fourchette dans l'évier, ou encore sacré après le maire la bombe parce qu'il te parle de son tramway que tu veux rien savoir ou que le journal de Québec est en train de vous faire croire que le 20% de la population à qui on chie dans la tête, c'est 80% des gens réels, que la propagande vous envahit. La santé mentale, restez calme. La résilience de vouloir que les choses reviennent à la normale et ne pas accepter l'inacceptable. La résilience, mes amis. Restez calme. C'est très important. Ne pas accepter l'inacceptable, mais restez au fait et à l'ouverture d'esprit de ce que vous voyez. Et soyez critique, parce que c'est votre pays, votre nation, votre peuple, votre vie.
Restez toujours calme. C'est super important. C'est pas dans l'agressivité, la colère, la démence, la rage. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Pas du tout. S'il faut arriver à ça, c'est parce que là, on a un problème qui dépasse l'entendement. Alors, si tous en chacun, vous continuez à vous questionner et vous restez calme et vous observez les choses, vous allez tout de suite comprendre que vous allez avoir une certaine clairvoyance. Hein? Quand on perd la carte, il y a des choses qui nous échappent. C'est pas bon. OK? Même quand ça devient excessivement foudroyant, on se calme. C'est très important. OK? J'ai beaucoup de mes clients à qui je parle là, qui ne sont pas calmes du tout. Là. Ils sont vraiment à côté. C'est ça. L'activité physique apporte un équilibre hormonal. Hommes, femmes, préménopausés, ménopausés, hommes, andropause, jeunes enfants, adolescents, peu importe, OK? C'est important. Hein? Ça va vous amener à avoir, je vous dirais, beaucoup plus de la sérotonine, de la dopamine, de la valentonine. On a entendu parler de ça, Flore, je vous reviens avec ça. Ensuite de ça, je vous dirais tout exemple, tous les types de profils hormonaux que ça va dégager quand vous allez vous entraîner, vous sécréter de l'endorphine. T'sais, c'est important. Ça va vous aider à bien vous sentir. C'est comme ça quand il y a des gens qui vous arrivent avec des idées farfelues. C'est comme exemple la chemise du régisseur aujourd'hui. Là. Ben, vous ne pognerez pas une nerf parce que vous voyez des nénuphars roses sur un fond vert, vert fluo. C'est pas grave. T'sais, même c'est parce que là, je ne le regarde pas, là, mais j'ai l'impression que je regarde un épisode de Grizzly Adam sur l'acide. C'est pas facile. Non, c'est parce qu'elle stack la barbe, mais c'est pas. D'accord. C'est OK. Le bien-être intérieur. Le défoulement. Ça fait du bien de lever des poids. Hein? Ça a été prouvé. Homme, femme. Ah! Ça vient chercher la personne en dedans de toi. Là, là. Ah! Hein? Ça fait du bien. Hein? Voilà. Ce que M. le régisseur fait jamais. Le seul poids qu'il lève, c'est une canne de poids. Hein? C'est pas bon. Voilà. T'as pas des grosses shapes. Hein? C'est ça. Il doit avoir la même affaire dans vos culottes que dans la boîte de poids. Finalement. Et voilà. Hein? Ah, c'est ça. Gros de même. C'est ça. Gros de même. C'est super bon. Ah! Ça sonne comme une chaîne, ça. Et voilà. le social. OK. Oui, ben, écoutez. T'sais, vous êtes chez vous, vous avez un training partner, vous vous entraînez, ça fait du bien. Hein, on est deux, on parle un peu, on discute. Vous êtes avec votre conjointe, hein, ça fait du bien. Hein, partagez, discutez. Hein, faites-le, faites-le. Appelez des amis, des parents. Faites-le, c'est important. C'est pas juste de vouloir convaincre des gens ou de changer des choses. Partagez vos idées, votre manière de penser. C'est important de créer des débats dans une société, même si on n'est pas d'accord. C'est important de partager nos idées pour s'unifier. C'est important, OK? Dans la contrainte, on se doit d'être fort et détaché. On vit quelque chose d'excessivement navrant et quelque chose qui est excessivement taxant, anxiogène. J'en fais le constat. Je prends des moyens pour ne pas me laisser atteindre. J'arrête d'écouter les nouvelles. J'arrête d'écouter Pierre-Jean-Jacques. Je me fais mes propres idées à moi parce que je m'en vais sur différents types de médias alternatifs pour connaître différents types d'idées, de points de vue. Je parle avec des amis, des conjoints, des parents, des gens plus âgés, des plus jeunes. Hein? Je forge moi-même mon identité. Très important. Et je me détache de tout ce que j'entends, qu'on essaye de pousser dans ma gorge comme un genre d'idéal socialiste de deuxième calibre, là, genre Corée du Nord 2.0, va chier mon calice, c'est genre un peu, excusez, c'est direct. Là. Et à partir de là, moi, j'accepte pas ça. J'en veux pas de ça. Justin Trudeau, là, il peut aller pomper des nœuds à Tokyo s'il veut. Pas ici, OK? That's it. Il se rentrera un rôle, puis il trouvera ça drôle. C'est correct, c'est avec son blackface, puis avec sa banane des culottes. Il faut-tu être assez innocent? C'est pas une joke, ce que je vous dis. Là. C'est pas une joke, ça. Il s'est déguisé en black, il s'est mis une banane des culottes. Ça, c'est notre premier ministre. Hein, c'est beau, hein? Je sais pas si vous autres, Macron, il a fait... Ben, Macron, lui, de toute manière, il se tape un panier en osier, donc ça, c'est une autre histoire. Là. On n'embarquera pas là-dedans. Là. Moi, je la pogne pas, celle-là. Là. Ou peut-être qu'elle est plus wild que lui, puis on le sait pas. Tu vois ça? Ah oui! Ah oui! Ah oui, mon petit Macron, là, oui! Ah oui, oui, j'aime ça, là, la République, la putain, là, ouais! Je sais pas si c'est ça, mais les gars, bon, peu importe. OK. OK. Soyez conscient, je suis conscient, là. Soyez conscient, mais observateur. Désensibilisez mes critiques.
OK? C'est super important. C'était le mot d'ordre de la semaine, c'était le conseil, c'était votre manière de percevoir les choses. OK? Allez vous chercher du bonheur, allez vous chercher de l'affection de par vos conjoints, vos amis, partagez. Tu sais, rapprochez-vous, aimez-vous. Tu sais, taillez-vous une vie là, dans tout ça. Là. Puis faites-vous une place qui vous appartient, là, qui n'est pas... Personne ne peut entrer dans ça. Là. C'est niaiseux ce que je vais vous dire. Je vais vous dire une affaire, OK? Moi, quand je prends ma femme dans mes bras, là, à chaque fois dans ma tête, je me dis, là, c'est le seul endroit où il ne m'arrivera jamais rien. Puis là, je la tiens fort, là, puis je me répète ça. Là. Il ne m'arrivera jamais rien. C'est le seul endroit où j'aurai jamais rien. C'est le seul endroit où personne ne peut m'atteindre. Je me répète tout le temps ça. Tout le temps. Ouais, savez-vous c'est quoi? C'est du conditionnement. Ça fait partie de la game. Alors allez chercher le maximum et le bonheur que vous êtes capable d'aller chercher. La tempête passe, les amis. Et les choses vont se dissiper lentement parce que les menteurs et les voleurs et les arnaqueurs, on les voit, là. C'est correct, c'est beau, on se cache plus, là. Klaus Schwab suce des queues chez les nazis. OK? Non, monsieur le caméraman, je vais le dire. C'est un débile, puis c'est une personne que je sais même pas pourquoi qu'on lui donne une tribune. OK? Klaus Schwab, tu peux aller enculer des navets. OK? Ciao, bye, man. OK? Donc, c'était le mot d'ordre de la semaine dans toute sa joie et dans toute sa gaieté. On parle de sodomiser des navets. Voilà, c'était incroyable. On sort du pro. On dit des affaires incroyables. OK, parfait. Oui, monsieur le syndiqué, je peux vous aider? Hein? Vous êtes... Non, je veux pas. Je veux pas savoir. Non, je veux pas. Non. Hey! Quoi? Des pâtes? Non, pas des pâtes. Non, je veux pas savoir. Arrêtez. Merci. Parce que je sais pas ce que vous faites avec votre femme, mais ça me compte. On a un show. Merci. Parfait, c'est bon. Il est fatiguant à peu près, ce gars-là. OK, parfait. Donc là, j'ai différents exos que je vais regarder avec vous. Des choses que je fais aussi avec... Moi, j'ai un ou deux training partners différents qui travaillent avec moi. Donc, on essaye des combinaisons au travers de la semaine, un paquet de choses comme ça, des choses qu'on trouve intéressantes et des choses que je veux vous partager. Alors, on part sur le terrain, vous et moi, et on se rejoint après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. On est de retour directement après la pause. Alors, bonjour à tous. Alors, dans mon gym ici, j'ai fait quelque chose qui est peu commun. Moi, j'ai une de mes très bonnes idoles, je vous dirais, du bodybuilding. Un Anglais qui s'appelle Dorian Yates. J'ai toujours eu une adulation pour Dorian Yates parce que Dorian Yates est un très, 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 très gros travaillant. Un gars qui a poussé la limite de l'impensable à l'entraînement. Un gars qui est allé beaucoup plus loin que les autres ne sont pas allés. Et j'ai toujours eu la même mentalité que cette personne-là et je me suis toujours retrouvé beaucoup à l'intérieur de lui. J'ai toujours voué un respect incroyable à cette personne-là. Que vous aimiez le physique ou pas, que ça vous corresponde ou pas, la mentalité de l'athlète est vraiment exceptionnelle. Tu sais, exemple, moi, bon, vous allez dire, je suis peut-être vendu aux gars des pays de l'Est ou de l'Europe, là. Tu sais, comme Dennis Wolfe, je suis vraiment vendu à ce genre d'athlète-là. J'adore ce genre de physique-là. C'est des physiques très pleins, très rocheux, très cubiques, très brutales. J'ai dessiné ma salle ici comme le Temple Gym en Angleterre et vous avez différents appareils. J'ai trois appareils pour le dos ici qui sont des appareils Hammerstrang, dont le fameux Lat Pull Down Hammerstrang, OK? Et je l'ai fait en combinaison avec le T-Barrow. Donc, on a fait cette combinaison-là cette semaine. Je vais vous proposer une chose et je vais vous expliquer un truc, OK? Quand vous embarquez à l'intérieur de cet appareil-là, ce qui est bien important de comprendre, premièrement, vous allez abaisser le levier pour être parfaitement à l'intérieur. Quand vous travaillez, ce qui est important, c'est que le coussin arrive légèrement en dessous du pectoral. Quand vous tirez pour être capable de faire une traction, voyez comment est-ce que je reste vers en avant? Je ne tire pas pour aller en arrière là. C'est une erreur. Si c'est ça, vous avez trop lourd. Vous gardez le corps toujours parfaitement droit, les pieds parfaitement galbés à l'intérieur de l'appareil. Vous êtes ancré directement dans la machine. Prise renversée vers le centre ou un peu plus large, c'est dépendant de votre gabarit. Prenez un grand respire. Vous tirez vers vous. Vous gardez le corps engagé vers en avant.
Hop, vous gardez toujours le corps engagé vers en avant. Quand vous avez fini, vous déposez tout simplement. Et on fait le petit barreau et on va se déplacer ici, directement à côté. Passez ma petite bouteille. OK. Donc, on a affaire vraiment à ce qu'on pourrait dire deux exercices de tirade consécutifs. Okay? Le deuxième, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a pris le tibaro standing avec un appui, OK, supported, puis on a choisi d'avoir deux types de prises, le shoulder wide out puis le shoulder wide. Le shoulder wide out, extérieur des épaules ici, et le shoulder wide, largeur des épaules. Donc, on commence avec une prise qui est excessivement large, les pieds ancrés à l'intérieur, tire pour aller chercher le maximum au niveau de la plateforme dorsale. On va en sortir environ 6 à 8. Quand c'est fait, je ne redépose pas la charge. Je change mes mains directement sur la barre, prise largeur des épaules et je continue pour aller en chercher encore environ 6 à 8. Donc, je peux vous dire une chose, pour l'avoir essayé cette semaine, la combinaison des deux appareils, les deux tirades ensemble sont très intéressantes. Donc, si vous avez des appareils, soit chez vous, soit dans une salle d'entraînement auquel vous êtes capable d'avoir accès de façon limitée peut-être ou peu importe quoi, vous avez, exemple, mettons, des types d'exercices analogues. Exemple, vous avez un lat pull-down à la maison et vous êtes capable d'avoir un rowing comme celui-là ou voire même de le faire avec des haltères, ce qui pourrait être très intéressant, ou de le faire avec une barre, avec un appui, avec une prise large puis une prise qui est rapprochée. Ce type de combinaison-là va vous amener à avoir vraiment un très, 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 très bon effet pour le dos et un très bon feeling. Exercice numéro 1, après la pause, exercice numéro 2. D'abord, exercice numéro 2. Alors, j'ai un de mes clients qui m'a demandé ça cette semaine, effectivement. Je peux dire son nom, il est super cool, le gars. C'est The Roofer from Celebrated Valleyfield. Yes, c'est Jonathan Paul. Salut, man. Yes. Alors, comme je t'avais promis, je vais faire l'exercice juste pour toi pour te le montrer. Qu'est-ce que c'est la différence entre un fly et un fly V-motion? Le fly V-motion a une particularité. Il va vraiment aller chercher l'axe du pectoral de façon vraiment différente. Les charges ne seront pas les mêmes non plus. On va se calmer, là, OK? Donc, le fly, c'est standard normal, vraiment toujours les coudes légèrement pliés. C'est bien important. Quand vous faites des fly, faites jamais ça avec les bras droits. OK? Sinon, vous allez compromettre votre articulation, puis vous allez travailler au niveau, exemple, des articulations, des tendons, puis vous n'irez pas chercher le muscle comme tel. C'est pas nécessairement mieux. C'est des vieilles croyances. OK? Parce que de toute évidence, dans certains types d'exercices, plus le poids est éloigné du point d'attache, plus la rupture est imminente. OK? Il faut faire attention. Donc, le V-motion, je garde toujours les bras pliés, mais je fais vraiment un V vers en arrière. Donc, je vais vous faire deux mouvements. Je vais vous montrer un fly standard et je vais vous montrer le fly V-motion. OK, on s'installe. Parfait, OK, monsieur le caméraman, on est-tu correct? C'est bon, parfait, monsieur le caméraman, aujourd'hui, qui a revêtu ses plus beaux atouts. Fantastique. OK, parfait. Donc, quand je vais faire un fly normal standard, les coudes sont toujours pliés vers l'extérieur et je vais me permettre d'aller l'ouvrir comme ça ici sur les côtés, avec les coudes relativement fléchis. En expirant pour refermer, aller contracter volontairement le pectoral. Volontairement. OK, c'est bien important. T'sais, c'est pas de prendre un poids puis le descendre. Ça, il se passe à rien. Vous arrivez en haut, saut, vous fermez le muscle. Saut, c'est bien important. Le V-motion est différent. On va partir avec les haltères au lieu un en face de l'autre, légèrement en V. On va aller faire une projection vers en arrière. En ouverture, en gardant les coudes parfaitement fléchis. Vous voyez un peu comment ce que je suis. Et là, je vais refermer. Là, vraiment, à ce moment-là, la contraction est vraiment très imminente. En arrière, en ouverture, en V, fermeture, ouverture, en V, fermeture, ouverture, en V, fermeture. Donc, très bonne manière pour être capable justement d'accomplir un type de fly qui est parfaitement différent. Je vous dirais, c'est une variation que vous êtes capable d'apporter dans vos entraînements. Donc, je vous dirais que ce serait nécessairement un plus d'être capable de faire quelque chose de nouveau pour aller chercher le muscle de façon différente. Fantastique! Exercice numéro 3! Alright, hey, we're gonna ride, we're gonna ride, we're gonna be wild and free, woohoo, yes sir. Hein, ça a quasiment l'air authentique. OK, parfait, yes. Alors, le L Razor Barbell, what the fucking hell is this? Ça, c'est un exercice que j'ai dérivé de certains types d'exercices d'haltérophilie, de projection, de presse, etc. Moi, j'aime les exercices qui sont excessivement dynamiques. Bon, vous allez me dire, ça va un peu avec ma personnalité. Vous n'avez pas tort. D'un autre côté, il y a une chose qui est sûre, c'est que cet exercice-là est un exercice complémentaire qu'on va faire en fin de training pour être capable d'aller augmenter la capacité cardiovasculaire, de sculpter l'ensemble du dos et de permettre justement à toute la musculature de travailler dans l'ensemble. Je vais juste tasser mon petit fil pour être sûr que je m'en fâche pas dedans. OK. Monsieur le caméraman, est-ce qu'on me voit comme il faut? Fantastique. La barre est prise relativement très large. Ce qui est bien important de comprendre au départ de tout, OK, c'est que ce sont les hanches qui projettent la charge. Ça, c'est très important. OK? La barre va aller complètement jusqu'en haut de la tête pour revenir aux hanches. Il va y avoir absorption et projection. OK? On y va. Absorption, projection. Absorption, projection. Absorption, projection. Absorption,
projection. C'est un exercice qui est relativement très simple. Je vous conseille pas de le faire avec deux plaques. C'est une très mauvaise idée, vous n'y arriverez pas. Okay? Un exercice qui est relativement cardiovasculaire, très bon en finition, très bon, très très bon remplisseur. T'sais, vous avez fait un bon training d'épaule, vous avez fait, mettons exemple, un 29-33-7. Tu dis, OK, on finit l'épaule comme il faut pour remplir, ou quand on a fini de faire du dos, ce qui pourrait être une très très belle alternative, peut-être même à combiner avec un straight arm pull-down, OK, avec le câble, qui pourrait être très bien. Donc, écoutez, dans une perspective dans laquelle à la maison, on n'a pas beaucoup de matériel, je vous dirais, un L-Razor Barbell est un bel exercice de projection qu'on peut faire, exemple, si vous voulez, moi, la même petite poulie, vous pouvez le combiner avec un autre type d'exercice, comme exemple, mettons, ça peut être un... Mon Dieu, j'aime bien les straight arm pull-down ou même un pull-over avec un halter, OK? Alors, idée, tout simplement, d'une projection d'exercice différente par rapport aux autres. Exercice numéro 4! Alright, alors une combinaison d'exercices à essayer, yes, et je rappelle toujours à tous les gens, et surtout à tous les parents, rappelez-vous toujours, c'est très, 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 très important. Passez 8 heures le soir, tous les couvre-feux planétaires. Évitez de voir un personnage obscur extraterrestre se promener dans votre quartier avec un doigt illuminé et de grands yeux qui persécute et court après vos enfants. Méfiez-vous de E.T. le pédo, endoiteur d'enfants. Faites attention, c'est un avertissement planétaire que vous soyez au Kurdistan ou en Allemagne. E.T. peut venir endoiter vos enfants. Papa, ils ne le sauront jamais. Dans toute la profondeur sidérale du doigt, il faut faire attention. Alors, chers parents, vous êtes avertis. Au chien des pros, E.T. est un pédo. Faites attention. All right, OK. La combinaison de la semaine, on va y aller avec un prix de shirker. Le prix de shirker, on l'a fait avec un concentrique. Ça a donné comme ça. J'étais avec Jip. Jip, il a une idée. Jip, il dit ça. Jip, il pense que. Fait que j'ai dit à Jip, OK, Jip, on peut y aller, Jip. Donc, alors, parfait. Alors, on a fait un Jip, puis ça a bien pogné. Donc, le principe est simple. On aime beaucoup travailler sur le preacher plus que sur le Scott. Le Scott, des fois, les épaules pivotent un peu vers en avant, même si on le contrôle. Le preacher, t'es batté, la charge à part en bas, t'as même pas le choix, tu cales en partant vers en bas, donc tu pourras même pas le remonter si c'est trop lourd. Intéressant. Donc, prendre la charge, deux niveaux. Quand vous prenez la barre avec vous avec une prise qui est rapprochée, OK, admettons qu'elle est chargée, apportez-la là. Avancez-vous, mettez vos pieds en arrière ou au sol, placez-vous comme il faut, descendez la charge, installez-vous pour être confortablement, c'est une manière de parler, on s'entend là, OK? C'est pour dire qu'on a vraiment une bonne traction, on part directement d'en bas, les bras dépliés, pour monter comme il faut jusqu'en haut, en contraction volontaire, descendre en bas, le preacher curl, on ne tire pas la charge en arrière, on reste engagé vers la charge, c'est excessivement important, on tire la barre vers le front. Quand on a complété une série d'environ, je vous dirais peut-être quoi, 8-10 environ. On sort la barre, on vient la porter sur le haut du banc, on prend la charge, on vient la porter en arrière, on reste toujours prudent, on se déplace. Monsieur le caméraman, vous me suivez toujours? OK. On s'en vient ici et on va faire ce qu'on appelle un concentré. OK? Chose que beaucoup de politiciens ont perdu de vue. Gros manque de concentration. OK. Je prends mon haltère. Le coude à l'intérieur du genou. Montez pour être capable d'aller le porter entre le menton et le pectoral. Okay. Je peux même vous conseiller un détail technique que je trouve très intéressant. J'en ai déjà parlé, mais je vais vous le répéter. Parce que des fois, c'est quelque chose qu'on dit, mais que les gens font moins. Le offset grip. Regardez ma main. Je ne place pas l'haltère directement au centre de ma main. Je le tasse. Pourquoi je le tasse? Il est toujours en train de tourner à l'extérieur, right? OK. Quand j'arrive là et je tourne, obligatoirement, je m'en viens mettre beaucoup plus de pression à l'intérieur de mon bicep, OK? Je pars directement d'en bas, vers le pectoral. Vers le pectoral, en tournant légèrement vers le pectoral. OK, donc, la combinaison preacher curl, 8 à 10, curl concentré, 10-12, par côté, sérieux, 4 à 5 tours, super 7 aux minutes. Essayez-moi ça, vous allez m'en reparler. C'est vraiment super fantastique. Exercice numéro 5. Alright, exercice numéro 5. OK. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est peu commun. On l'a fait cette semaine, entre autres. Écoutez, des fois, c'est juste le bon moment, des fois, de ressortir des exercices qui sont différents. Vous pouvez faire ça à la maison sans aucun problème. Bon, essayez pas ça entre deux chaises ou avec la table de cuisine. Là, je vous le conseille pas. Là, à un moment donné, il y aurait peut-être des choses là, qui sont peut-être pas... c'est peut-être dangereux rendu là. T'sais, essayez pas des affaires qui n'ont pas d'allure. Là. Donc, je vous dirais, si on est capable d'avoir deux éléments avec lesquels on peut travailler, on l'essaye.
OK? Sinon, bon, écoutez, il y a la version qui existe, bon, qui a été proliférée un peu là, par les crossfiteux et les crossfitounes. Les handstand push-up, hein, le monde met les mains au sol, puis ils se montent les pieds dans le mur, puis ils se trouvent bien bons. Ah oui, je fais des push-ups de détenus. Là. Bon, OK, parfait. Ça, c'est une partie de la réponse. Là. Aujourd'hui, les crossfiteux, tu les vois plus bien, bien. Ils sont rendus qu'ils se font juste crosser le fiteux, finalement. Là. Donc, je vous dirais que nous autres, les bodybuilders, ben, nous autres, c'est là pour durer. Hein, nous autres, on est des décennies de génération de leveurs de poids et ça ne changera jamais. Okay? Même si je considère que je suis un culturiste, je suis une race en voie d'extinction, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des exercices comme ceux-là qu'on ne pourra pas passer à côté. Et la musculation et la force et le développement physique font toujours partie intégrale de l'équilibre mental et physique des êtres humains. C'est super important. En tout cas, du moins, si ça ne fait pas partie du vôtre, envoyez le show à quelqu'un puis qu'il se réveille, qu'il est rendu là. Right? Okay. Donc, le pike press. What the fucking hell? OK, le pike press, c'est un exercice simple qu'on fait body weight. J'ai mis mes bandes arrière de moi, distance environ égale 45 degrés d'inclinaison. Je vous dirais, c'est pas mal le plus haut que je suis capable d'accepter d'aller. J'ai pas essayé à 60, mais à un moment donné, ça devient dangereux. Okay? On peut mettre les mains directement ici ou on peut mettre les mains directement ici. Moi, j'aime bien la prise en bas. Je trouve que la prise en bas est peut-être un petit peu plus convenable. Okay? Donc, je vais vous montrer un peu. C'est un exercice d'épaule. C'est comme faire un dumbbell press, mais avec votre propre poids. Okay? Je vais essayer de vous le faire au mieux. OK. Oh. OK. Vous voyez comment j'encave ma tête directement entre mes épaules comme si j'avais une paire d'haltères. OK. Ça fait des belles couleurs, hein? Comme mon chandail. OK, donc le pike press est un exercice relativement très simple. C'est pas un mass builder, c'est un exercice qui est intéressant à travailler. Exemple, nous autres, on a commencé le training d'épaule avec ça. OK? Donc, vous en faites 4 à 5 séries de 10-12, vous partez avec ça. Ensuite de ça, on a fait des supersets de levée frontale avec du dumbbell press. On a fait du barbell press back ensuite de ça avec... on l'avait combiné avec un bent over en V-motion. OK? Parce qu'il existe le bent over... OK, sur notre propre corps, en support, par soi-même, avec les haltères comme ça. Mais il existe la version inclinée sur un banc à 30 degrés, avec des projections frontales pour aller chercher ce qu'on appelle le low trap 2. OK? Excusez-moi. Je vais reprendre mon souffle, là. J'ai pris du poids un petit peu. Faut que je traîne mon 2,25 là, cette année. OK, bon. Donc, du moins, on est heureux. On est heureux. OK, donc, je vous dirais que c'est bien pour vous dire qu'on est capable de commencer un entraînement avec celui-là, de l'amener comme un bon exercice de réchauffement. Je vous conseille toujours, et je vous ai donné des routines pour ça. Rappelez-vous, vous êtes mes élèves. Je vous ai donné des routines de réchauffement avec des élastiques, de la préparation, coiffe de rotateur, rotateur interne, externe, etc., projection. C'est super important. Vous partez pas ça à fret. C'est comme dans le privé. Tu pars pas à fret, là. Ah, c'est pas bon, là. Faut, hein, tu prépares le terrain, là, c'est ça. C'est comme monsieur le régisseur, prépare pas le terrain, c'est évident. Fait qu'il se garde le fossile, puis il se rompt ça quelque part où il pense que ça jute, puis il pense qu'il est heureux. Bon, moi, je fais pas ça, j'ai pas de fossile, puis monsieur le caméraman est super content. Bon, fait que ça, c'est une autre histoire, on n'embarquera pas là-dedans, là, en tout cas, du moins. Donc, je suis rendu où avec ça, moi, là, je reviens, OK. Donc, excusez, on chire à gauche. Le pike press, un exercice à rajouter dans votre nomenclature, une manière simple, faisable, qui est accessible à tout le monde. Trop difficile pour partir à 45 degrés, partez-là à 30 degrés. Souvent, il y en a, c'est plus la peur de penser qu'ils vont partir vers en avant. Je vous dirais que ça prend quand même un certain équilibre. À un moment donné, à 45, c'est encore bon. 60, plus dangereux. Vous ne trustez pas ça, partez-nous avec 30. C'est bien important. Okay? Donc, on peut y aller avec ça. Alors, c'est la capsule pour aujourd'hui. Je vous reviens avec le mot de la fin après la pause. Oui, voilà. C'est, vous êtes surpris celui-là, hein? Même moi, je me suis surpris. Je me suis comme surpris moi-même. OK, right. Rappelez-vous toujours que quand vous allez faire des séries d'exercices, des combinaisons, des supersets, des giant sets, des trisets, moi, j'aime bien être capable de mélanger deux choses. Exemple, pour les épaules, poussée et élévation. Exemple, dumbbell press, barbell press front avec latéral raise ou front raise. Toujours une élévation avec une poussée. Barbell press back, dumbbell press, bent over latéral raise. Toujours une poussée avec une élévation. Tout le temps. OK? Vous pouvez faire le même principe aussi, je vous dirais, exemple, des poussées avec des ouvertures. Je peux faire du dumbbell press avec des fly. Toujours combiner une poussée avec une ouverture. Une poussée très lourde, une ouverture qui est plus légère. OK? Exemple, quand on fait des jambes, une poussée lourde, une extension légère. Une poussée lourde, un leg curl léger. On peut faire les deux très lourds, exemple. Combinez toujours le fait d'avoir des antagonistes dans ce que vous faites. Ayez pas peur d'être créatif. Travaillez jusqu'à temps que vous sentez que le
muscle se remplit. C'est personnel. T'sais, moi, quand je vais faire exemple du leg press, ça peut peut-être me prendre des fois... T'sais, je peux commencer par me réchauffer avec une pompe de 50 à 75 à deux plaques. Là. T'sais, je le sens pas, il est pas pesant, là, mais il faut que je réchauffe jusqu'à temps que le muscle commence à dire à un moment donné, OK, là, le remplissage se fait. Écoutez-vous. Exemple, Roy Callender est un gars qui, à l'année, s'entraînait, faisait des 37, 42 sets de dos, 47 de jambes. Du monde, on va dire, voyons, ça pas... son corps répond à ça. Son corps, il dit que c'est ça. J'ai connu des gars qui faisaient des séries de 6 au cœur, là, je suis pas au pire, c'est ça. Ça dépend de votre type de fibre. Écoutez-vous. C'est bien important. Alors, restez concentrés, restez à l'écoute de ce que vous êtes et restez travaillant et engagé. C'est super important. La meilleure manière de sortir de l'année 2021, c'est de rester concentré, engagé, travaillant. OK? Focussé dans votre training, focussé dans votre vie, focussé dans votre couple, focussé avec vos amis, focussé dans votre travail. OK? Et restez en ligne. C'est super important. Vous avez des questions, des doutes, des interrogations, vous me les posez. Info en commercial, macantonegrondin.com. Le info en commercial, macantonegrondin.com. Appelez directement au club au 418-204-8246. Le 204-8246. Le Gym Olympe, le seul vrai gym de la ville de Québec au 3000. Mon Dieu, je me trompe. Hein? Mon Dieu, je me suis enfargé là. Et c'est rare que je m'enfarge en tabarnouche. Hey, je vois-tu te le sortir? Tu parles. Hein? Mon Dieu, c'est... je suis comme. C'est... Mon Dieu, c'est 3055. Mon Dieu, j'ai comme un blanc. Comme quand j'ai perdu mon mot de passe. Là. Hey, à un moment donné, hey, je vous compte ça vite de même. J'arrive pour rentrer mon mot de passe d'entreprise, pour rentrer dans mon compte de business, le blanc. Je me rappelle plus. Ça fait 4 ans, je fais mon mot de passe. Là, download plus. Mais c'est quoi le mot de passe? C'est quoi? Un blanc total. Hein? Quand on vous dit qu'on se fait bombarder, là, puis on se fait écœurer, là, puis que c'est anxiogène, puis vous devenez complètement bolo, vous comprenez ce que ça veut dire? Fait que restez en entraînement puis actif comme ça, vous ne deviendrez pas bolo, là, puis vous ne serez pas un syndiqué malveillant, là, comme la cochonnerie en arrière de la vitre qu'il y a là. Hey, au prix que vous êtes payé, je vais dire que vous êtes une cochonnerie, comme votre grosse salle à manger d'ailleurs. Là. Bon, OK, parfait. Donc, du moins, toujours et sûr, c'est très important de savoir. 3055, merci beaucoup, monsieur le caméraman. 3055, boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, un gym privé, professionnel, où on vous donne de l'attention, de l'entraide, du training, du suivi. Quand on peut être ouvert, évidemment, là, on ne peut pas l'être, mais les gars, bon, éventuellement, on va finir par l'être. À un moment donné, le casse de bain à François Legault, à main, il va finir par nous donner le go, hein, parce que là, pour l'instant, il suit le plan de match à Klaus Schwab. Mais bon, c'est parce qu'il y a la langue dans le cul, mais à un moment donné, ça va tellement goûter fort qu'il va finir par se la lever. À un moment donné, il va se calmer. Fait qu'à un moment donné, ben, la vie va reprendre son cours. Alors, vous viendrez faire un tour au Gym Olympe au 3055 Boulevard Amel, local 114, pour nous rejoindre. Faites le 204-8246 dans le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiate de Québec. Ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre mental est en chute libre, vos questionnements en progression, mais que vous savez que la vérité continue son ascension. Oh boy, all right. OK, alors, j'ai quand même plusieurs autres exercices que je vais regarder avec vous la semaine prochaine, puis j'aimerais ça aussi peut-être être capable de rentrer, je vous dirais, dans certains types de volets informatifs, hein, commencer à vous redonner de l'information un peu. Il y avait une capsule que je n'avais pas finie, entre autres, sur l'assimilation de la protéine. Y a-t-il des nouveaux suppléments cette année? Tu sais, hein, on cherche les nouveautés, on se demande qu'est-ce qui arrive dans notre marché, hein, un peu. Hein, les compagnies qui sortent des nouveaux trucs, etc. Je vais magasiner ça pour vous autres. Hein, parce que souvent, les suppléments, on se perd un peu. Des fois, on vient qu'on ne sait plus trop. Y a-tu des nouvelles manières de s'entraîner? Y a-tu des nouvelles manières de voir? Les championnats de bodybuilding un petit peu partout sur la terre, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui arrive? On va-tu nous demander d'aller poser avec un masque d'en face? Ben oui, ça nous intéresse. Parle-moi de ça. Donc, du moins, les gars, il y a un paquet de choses qu'on va regarder ensemble cette année. On va se tenir au courant. On va se tenir sur le prime time. Communiquez-moi. Envoyez-moi vos questions. Écrivez-moi avec le courriel. Faites le pouce levé. Et si vous appréciez la capsule, un don de 1 à 5 $ est apprécié. Puis même si vous le faites pas, je vais vous adorer pareil, parce que vous êtes toujours les bienvenus. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!